La mort violente par arme blanche survenue dans la région d'Anapa. Alors les objectifs de l'étude ont consisté à avoir une approche épidémiologique des principales caractéristiques des victimes de blessures mortelles par les armes blanches, bien sûr d'établir un bilan lésionnel et d'étudier donc les principales causes de mort suite aux blessures par arme blanche. Tiens-vous. Comme matériel et méthode d'étude, donc c'est une étude descriptive, rétrospective. Donc le lieu c'était l'unité d'exploration médico-judiciaire du service de médecine légale du CHU d'Anapa. Période d'étude donc du 1er janvier 2005 au 31-12-2005. Pardon. Donc la taille de l'échantillon était de 49 morts violentes par arme blanche. Pour cela nous avons étudié toute une fiche technique comportant tous les renseignements sur donc, les circonstances et les résultats de l'autopsie. Les résultats étaient donc que l'incidence donc, de la mort violente par arme blanche par rapport aux autres morts violentes, elle représentait 20% sur un total donc, de 245 cas.